ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle histoire que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم nous a racontée. C'est l'histoire de la construction de la Kaaba. Saïd ibn Jubayr rapporte. Saïd ibn Jubayr, c'est un tabi'i, qui était un élève de Abdullah ibn Abbas. Comme on sait, Abdullah ibn Abbas, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a fait une invocation pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ya Allah, donne-lui la compréhension dans la religion et enseigne-lui l'interprétation du Coran. » Saïd ibn Jubayr, qui était un tabi'i, qui a appris l'exégèse du Coran directement de Abdullah ibn Abbas, tarjuman al-Coran, et il a appris le hadith avec Abdullah ibn Abbas. Et il a été tué injustement par le Hajjaj ibn Yusuf. Et subhanallah, Saïd ibn Jubayr, quand le Hajjaj a voulu le tuer, il a dit, comment je te tue? Il a dit, de la manière dont toi tu veux mourir. Car comme tu agis avec les gens, Allah Ta'ala, il agira avec toi. Et Saïd ibn Jubayr, il a fait dua contre le Hajjaj au moment de sa mort. Et après la mort de Saïd ibn Jubayr, le Hajjaj était très malade, il avait des douleurs. Et toujours il disait, Mali wali Saïd. Il a dit, la dua de Saïd, elle ne veut pas me laisser. C'est normal. Qatalahu dhulman, il l'a tué injustement. Il a dit, la première fois que les femmes se servirent d'une traîne à leur robe, fut quand la mère de Ismaïl en fit usage. Elle a pris une robe qui laissait une traîne, c'est-à-dire qui était longue derrière, pour effacer les traces de ses pas lors de sa fuite de peur de Sarra, l'autre épouse de son mari. Naam. Donc Ibrahim, alayhi salatu wassalam, par la suite vint avec elle et son fils Ismaïl, qui tétait encore le sein. Et il la laissa près de la maison sacrée à côté d'un grand arbre, en amont de Zemzem, à un endroit dominant la mosquée sacrée. Bien qu'il n'y avait rien de construit quand on dit la mosquée sacrée, le lieu de la mosquée sacrée. Une fois qu'Ibrahim alayhi salam l'a laissé, il s'est tourné. À l'époque, il n'y avait à la Mecque ni personne, ni eau. Donc il les installa là-bas en leur laissant un sac de cuir contenant des dattes et une outre contenant de l'eau. Puis il prit le chemin du retour. La mère d'Ismaïl, le voyant partir ainsi, le suivit et lui dit, « Ya Ibrahim, où vas-tu? Et comment nous laisses-tu dans cette vallée qui n'abrite ni être humain, ni rien du tout ?» Elle a répété cela plusieurs fois. Et comme il ne se retourna pas, elle l'interrogea, « Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire cela ?» Il répondit, « Oui. » Alors, elle dit, « Si c'est Allah qui t'a ordonné cela, alors Allah ne nous abandonnera pas. » Après quoi, elle retourna sur ses pas. Ibrahim, alayhi salam, continua son chemin. Et arrivé à un col où il ne pouvait être vu, il se mit face à la maison sacrée et il dit ces invocations-là. « Notre Seigneur, j'ai fixé une partie de ma progéniture dans une dépression impropre aux cultures jusqu'à qu'il arrive à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils en seront reconnaissants. » La mère d'Ismaïl se mit alors à allaiter son enfant et à boire de l'eau que Ibrahim lui a laissée jusqu'au moment où l'eau s'épuisa.
Après quoi, elle eut soif tout autant que son fils. Elle le vit bientôt se tordre de douleur et rouler par terre, tellement il avait faim. Et pour ne pas voir son fils souffrir, elle s'éloigna. Mais arrivée à Safa, la montagne la plus proche, elle y grimpa et fit face à la vallée dans l'espoir de voir quelqu'un arriver. Comme elle ne vit personne, elle descendit de Safa. Jusqu'à quand elle a atteint la vallée, elle a levé sa robe et elle a commencé à courir. Pour aller où ? À l'autre mont, Al-Marwa. Et elle a regardé. Et elle est redescendue et elle a fait ça cette fois. Et Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, an Abi, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, c'est en raison de cela qu'il y a la course des pèlerins entre les deux monts, Al-Safa et Al-Marwa. Quand elle arrivait à Al-Marwa, elle a entendu une voix. Elle a cru qu'elle était en train de délirer. Elle a dit, tais-toi. Puis, elle a écouté encore, elle a tendu l'oreille. Elle a dit, si quelqu'un peut nous aider. Et elle a regardé, elle a vu l'ange auprès d'elle. Donc, il a pointé ou bien avec son talon ou son aile et l'eau de Zamzam est sortie. Elle a commencé à faire ça avec l'eau parce que l'eau, elle jaillissait fort. Elle la repoussait et elle a mis de l'eau dans sa gourde. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à Ummu Ismail. Si elle n'avait pas fait ça avec ses mains ou si elle n'en avait pas mis dans sa gourde, Zamzam serait une rivière aujourd'hui. Alors qu'elle était ainsi, il y avait des gens, des Arabes de la tribu de Jurhum. Ils ont vu de loin des oiseaux. Ils ont envoyé deux personnes pour aller voir est-ce qu'il y avait là-bas de l'eau. Et effectivement, ils ont trouvé Ummu Ismail, Hajar, avec son fils. Ils lui ont demandé l'autorisation de venir et d'habiter et de rester là-bas. Elle a dit d'accord, mais l'eau, c'est pas votre droit, c'est moi qui en ai la propriété. Ils ont dit il n'y a pas de problème. Et elle aimait donc la vie en société. Elle a accepté qu'ils viennent. Ismail, alayhi salam, a appris l'arabe de la tribu de Jurhum. Et il est devenu encore plus fort en langue arabe qu'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih que le premier qui a parlé un bon arabe, c'est Ismail, alayhi salam. C'est-à-dire un arabe de qualité, car il avait la révélation. Ça fait partie des miracles des prophètes. Et lui, il lui a été donné justement la prose et le fait de parler d'un arabe clair et d'une bonne qualité. Puis ils ont marié Ismail à l'une des filles de Jurhum. Et la mère de Ismaïl est morte. Ibrahim alayhi salatu wassalam, après un long moment, il a voulu connaître la situation de son fils. Il est venu le visiter. Il est sorti pour les besoins de la maison. Il a demandé à la femme de Ismaïl alayhi salam où il était. Elle a dit qu'il était sorti. Il a dit comment est votre vie? Elle a dit on est dans la pauvreté. C'est dur. Est-ce que tu as un message à passer? Il a dit oui. Passe le salam à ton mari et dis-lui qu'il change le pas de sa porte. Il a dit, ça c'est mon père, il m'a ordonné de te divorcer, retourne chez tes parents. Puis ils l'ont marié une autre femme de Jurhum, et Ibrahim alayhi salam est revenu, et Ismaïl était encore à l'extérieur. Il a demandé à la femme comment est leur vie, elle a dit du bien. Alors, Ibrahim alayhi salatu wassalam lui a dit, passe-lui le salam, et dis-lui qu'il garde bien le pas de sa porte. Il est revenu, il a dit, ça c'est mon père, il m'a ordonné de te garder. Puis Allah a ordonné Ibrahim de construire la maison sacrée. Il a demandé à son fils Ismaïl, il a dit je t'aide. Et ils ont fait la maison. Ils mettaient une pierre où Ibrahim alayhi salam montait pour regarder si la maison sacrée est bien droite. C'est ça qu'on appelle la station de Ibrahim. Donc l'histoire est longue, elle est rapportée par l'imam al-Bukhari et moi je l'ai résumée à cause de sa longueur. Qu'est-ce qu'on profite de cette histoire? Dans une version de ce hadith, Abdullah ibn Abbas était assis dans une assise et il a dit « Salouni, demandez-moi ». On profite de ça que c'est important de demander aux savants et aux gens de science. Et il est permis aux gens de science de dire aux gens qui sont autour de lui « Demandez-moi ». Car Abdullah ibn Abbas l'a fait. Il était assis, il a dit « Demandez-moi ». Et effectivement, ils lui ont demandé et il leur a raconté cette histoire. On voit dans cette histoire, subhanallah, que même les femmes pieuses, elles peuvent être jalouses. Regardez Sarah et Hajar. À cause de la jalousie de Sarah,
Ibrahim alayhi salam a été obligé d'emmener sa famille loin d'elle. Elle a eu peur pour Hajar. Et Hajar avait tellement peur pour elle qu'elle effaçait ses pas avec sa robe qui traînait. Donc ça, cela prouve quoi, barakallahu fikum? Que la jalousie d'une femme, ça fait partie de sa nature. Même les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient jalouses l'une de l'autre. Et vous savez très bien les histoires avec Aïcha et sa fille, comment ça s'est passé. Allah Ta'ala, elle a descendu le Coran pour ça. La jalousie d'une femme, c'est naturel. Il ne faut pas que cette jalousie, elle dépasse les limites. Une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait dans la maison d'Aïcha. Il s'est levé tout doucement. Il est sorti tout doucement. Il allait au Baqir pour faire des invocations pour les gens du Baqir. Aïcha, elle était jalouse. Elle a dit, comment ça se fait qu'il sort dans la nuit? Ah, maintenant que je dors, il va voir une autre de ses épouses. Je vais le suivre. C'est ma nuit, c'est mon tour. Faut pas qu'il aille chez quelqu'un d'autre dans cette nuit-là. Elle l'a suivi. Elle a vu qu'il était au Baqir. Il faisait dua pour Ahl al-Baqir. Quand il a commencé à revenir à la maison, elle a couru pour pas se faire voir. Elle s'est mise sous la couverture. Mais quelqu'un qui court, il est essoufflé. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est revenu tout doucement. Il a ouvert la porte doucement. Il a posé ses sandales doucement. Il est venu se mettre sous la couverture doucement. Et il l'a senti essoufflé. Et lui, il sentait une ombre qui le suivait. De temps en temps, il regardait. Il avait l'impression que quelqu'un le suivait. Il lui a dit, ah Aïcha, tu crois que je suis injuste? Qui est juste si Allah et son prophète ne sont pas justes? Tu crois qu'un de tes soirs, je vais aller avec une autre de mes épouses là, Abad? Elle, elle est intelligente. Elle a fait quoi? Elle a changé le sujet. Comme les femmes, elles font. Elles sont très intelligentes pour ça. Quand l'homme, il est énervé ou quelque chose, hop, elle change de sujet. Elle parle d'autre chose. Comme ça, il oublie. Et c'est ce qu'elle a fait à Aïcha, radiallahu anha. Elle a dit, Ya Rasulallah, si je visite les cimetières, qu'est-ce que je fais comme dua? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a enseigné la dua à faire quand on visite un cimetière. Donc, on voit aussi dans cette histoire, barakallahu fikum, que la personne, elle ne délaisse pas sa famille. Ibrahim alayhi salam, malgré qu'Allah lui a ordonné, c'est un ordre d'Allah, de le laisser dans le désert. Mais il avait quand même le souci pour eux. Une fois qu'il a passé le mont, il a fait quoi? Il a fait des invocations pour eux. Il a levé les mains vers la Kaaba et il a dit, Ya Allah, ô mon Seigneur, j'ai laissé ma famille dans un endroit où il n'y a pas de semences, où il n'y a rien. Donc la personne, il fait les efforts pour faire ses obligations envers sa famille. La bonne éducation, que ce soit de sa femme, de ses enfants, il fait les efforts pour leur donner une bonne éducation, pour s'occuper bien d'eux. Mais qu'ils sachent que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui seul qui peut mettre l'effet dans cela et qui décide. Donc il demande la protection à Allah tabaraka wa ta'ala pour sa famille. Il demande la protection et la bonne éducation pour ses enfants. Surtout nous, barakallahu fikum, dans cet endroit où nous vivons, ou dans cette époque surtout où nous vivons, où l'ambiance autour de nous n'est pas une ambiance islamique. Donc on a besoin de faire un double effort sur l'éducation de nos enfants. Vous êtes tous bergers, vous êtes tous responsables de l'objet de votre garde. Donc on doit faire un effort sur l'éducation de nos enfants, faire des écoles privées, barakallahu fikum, bien s'occuper de nos enfants, quand ils retournent de l'école, bien s'occuper d'eux, qui ils fréquentent, avec qui ils vont, leur enseigner le din, leur enseigner l'oral l'arabie, le Coran, tarbiya l'islamie, c'est notre devoir. Avec tout cela encore, on n'oublie pas le dua. Sache que même pour la chose pour laquelle tu as été créé, qui est l'adoration d'Allah, Allah Ta'ala t'a demandé de prendre appui et aide auprès de lui. C'est le but pourquoi on est créé. Allah Ta'ala dit, je n'ai créé les djinns et les hommes rien que pour m'adorer. Et malgré ça, Allah Ta'ala nous ordonne dans chaque salat de dire, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul vers qui on prend appui. On voit dans cette histoire, barakallahu fikum, la confiance en Allah de cette femme qui est restée au milieu du désert. Malgré cela, elle n'a pas perdu sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle a dit, est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de nous laisser ici? Quand Ibrahim lui a dit oui, elle a dit, dans ce cas-là, Allah ne nous perdra pas. Il ne va pas nous laisser. Comme ça aussi, tout croyant, quand il fait l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, quand il applique l'ordre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut qu'il ait confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme Allah t'a ordonné de pratiquer ses ordres, il t'a promis aussi de ne pas te laisser, de te protéger. Allah tabaraka wa ta'ala dit, celui qui craint Allah, Allah lui fait une issue de sortie et il lui donne sa subsistance, d'où il ne s'y attend pas. Allah tabaraka wa ta'ala, en parlant de la salat,
qui est le pilier de la religion dans les actes. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens des versets, et ordonne à ta famille de faire la prière, et sois-y toi-même constant, on ne te demande pas de subsistance. C'est nous qui te donnons ta subsistance, et certes la bonne fin est pour la piété et pour les gens pieux. On voit dans cette histoire que la personne, même s'il met sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, il faut qu'il fasse les causes, légiférer. Regardez qu'est-ce qu'elle a fait, Hajar. Donc on voit, Hajar, elle est montée sur le mont Safa, elle a regardé, elle a couru, elle est montée sur le Marwa 7 fois, c'est-à-dire elle a fait le maximum des causes légiférées, licites, non pas les causes illicites. Quelqu'un y va, mashallah, il joue au loto, il dit, Allahu Akbar, Allah m'a donné le risque. Il dit, j'ai fait les causes. Ça c'est du jeu de hasard. Si quelqu'un joue au loto, il dit, j'ai eu mon risque. Non. Ou bien il triche dans ses papiers, il triche dans ses déclarations, il triche, après il prend de l'argent et dit, Alhamdulillah, Allah il m'a donné un risque halal. Alors que tu triches et tu mens, est-ce que ce risque il est halal? Alors que le musulman il ne ment pas même pour rigoler. Non. On voit dans cette histoire, barakallahu fikum, le fait que la personne il soit haris ala dunya, haris, c'est-à-dire qu'il désire trop, qu'il cherche trop le bien pour lui, matériel. Ça peut l'empêcher d'avoir un plus grand bien. Par exemple, quelqu'un il a de l'argent qu'il veut investir. S'il attend un petit peu, il l'investit dans une bonne affaire, inchallah, ça, dans le halal, bien, ça va lui donner beaucoup. Mais lui, il est pressé, il investit rapidement dans quelque chose qui ne donne pas grand-chose ou parce qu'il veut gagner vite. Donc la personne, quand il est trop attaché à ce bas monde, ou bien il est trop vigilant à avoir le bien, cet empressement, ça peut l'empêcher d'avoir encore plus de bien, comme l'histoire de Hajar. Elle était pressée de garder l'eau pour elle, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à la mère de Ismaïl. Si elle n'avait pas fait cela, Zamzam serait un fleuve qui coulerait en Arabie, un fleuve. On voit dans cette histoire, barakallahu fikum, que le responsable de maison, quand il a des soucis, il ne faut pas qu'il les montre à la maison. Ibrahim alayhi salam, quand il est venu voir son épouse, qu'Allah lui a ordonné de la mettre là-bas, dans le désert, il ne lui a pas montré ses soucis, sa peur, sa crainte. Il a attendu d'être caché bien derrière une colline pour faire dua pour eux, pour montrer qu'il a du souci pour eux. Devant eux, il s'est montré fort. Mais quand il était seul, il a montré son souci, il a levé les mains et il a fait dua. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait que le chef de maison, c'est l'homme? Et que c'est lui qui prend les décisions finales. C'est que normalement, un homme, il maîtrise ses sentiments. Et il fait passer la raison avant les sentiments. Ce qui est difficile pour la femme. La femme, elle est trop sentimentale. C'est un bon côté. Si nos femmes, elles n'étaient pas comme ça, nos maisons, ce serait rude. Il n'y aurait pas de rahma dans les maisons. Imagine si une femme, c'était comme un homme. Elle n'est pas sentimentale, elle n'est pas douce, elle n'a pas de miséricorde. Comment tu vas vivre avec elle? Ça va être difficile. Alors Allah Ta'ala, il a fait hada. C'est une qualité pour la femme concernant la maison et ses tâches ménagères et ses tâches vis-à-vis de son mari. Et des fois, ça peut être un défaut pour prendre des décisions. L'homme, il faut qu'il soit fort. Barakallahu fikum. Il ne faut pas que ce soit le contraire. Quand il est avec ses amis, il rigole, il laisse ses soucis de côté. Et quand il rentre à la maison, tous les soucis, il les sort. Il est comme un lion en train de rugir. Là, l'axe, quand tu rentres à la maison, c'est là qu'il faut mettre les soucis de côté, qu'il faut s'occuper maintenant des soucis de la maison et toujours être positif, être fort. Car la femme et les enfants, tant qu'ils te voient fort, ils vont suivre. Mais dès qu'ils vont voir que tu faiblis, alors ça va être le désordre dans la maison. Ou bien la femme, elle va vouloir prendre la place de l'homme parce qu'elle voit que tu n'es pas assez fort, alors elle va vouloir prendre ta place pour diriger la maison parce qu'elle voit que tu n'arrives pas. Ou bien c'est les enfants, ou bien c'est le désordre, la pagaille. Chacun fait ce qu'il veut. Non. On voit aussi la douceur de la mère. Hajar, comment elle avait le souci pour son enfant. Et subhanallah, tu vois pas l'homme, il est capable de supporter ce que la femme, elle supporte avec les enfants. La douceur envers ses enfants. Comment elle le porte dans son ventre, puis elle accouche, puis elle l'allaite. Puis la nuit, elle se lève, toutes les nuits. Puis elle le nettoie de ses impuretés. Quand l'enfant tombe malade, elle a le souci. Elle se réveille, elle va voir comment elle va.
Comment il voit l'enfant? Alors que l'homme, il dit, eh, demain je dois travailler, barakallahu fik, laisse-moi dormir. Des fois, il dort même dans le salon, il dit, débrouille-toi avec tes enfants, barakallahu fik. Et il va, il dort. Il peut dormir. Voilà qu'il la mère, subhanallah, elle porte le souci. C'est pour ça, le droit de la mère, il est plus grand. Quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, man ahakku bi husni sahabati, il a dit, qui mérite plus ma bonne compagnie? Il a dit, ummuk, ta mère. D'accord, ma mère, on sait. Qui? Parmi mes amis ou parmi les gens, qui? Il a dit, ta mère. Trois fois, il lui a dit, qui mérite le plus ma bonne compagnie? Il a dit, ta mère. Ta mère, ta mère. Puis ton père. Donc, le droit des parents, il est énorme. Et surtout des mères. Barakallahu fikum. Surtout ici, où tout le monde, maintenant, dès qu'il a 13-14 ans, il se permet d'élever sa voix sur sa mère ou sur son père. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un imbécile. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Il ne sait pas qu'il est en train de gâcher sa vie dans le dunya et dans l'akhira en se comportant mal avec ses parents. L'obéissance aux parents, c'est jusqu'à qu'ils meurent, même après leur mort. S'ils t'ont donné des ordres à faire après leur mort, des wasaya, dans le halal bien sûr, tu dois les faire. C'est pas comme certains, il a dit, ah, ça y est, moi je suis un adulte, hein. J'ai 35 ans, je suis chez moi, ça y est, j'écoute plus mes parents. Là, là, là. On voit le père, toujours il surveille la maison. Même après que ses enfants soient mariés, il va prendre des nouvelles. Il va voir comment ça se passe. Il donne des bons conseils. Regardez Ibrahim. Après que la mère de Ismaïl soit morte, après que Ismaïl soit grand, après qu'il soit marié, encore, il est venu, il a fait tout ce voyage juste pour prendre des nouvelles de son fils. Il est venu, il a pris des nouvelles de son fils, il est reparti, subhanallah. Et il lui a donné un conseil. Naam. Donc ça, c'est connu que le mari, c'est lui le responsable de combler les besoins de la maison, anciennement comme maintenant. Regardez Ismaïl. Qui est sorti pour les besoins de la maison? C'est Ismaïl. Et aujourd'hui aussi, c'est comme ça. Tout le monde est berger, tout le monde est responsable de l'objet de sa garde. Et l'homme musulman, c'est lui le responsable de dépenser pour sa famille et de sortir combler les besoins extérieurs pour que sa femme elle soit libérée pour les tâches de la maison, pour l'éducation des enfants, pour être au service de son mari. Comme ça, chacun fait bien son travail. Barakallahu fikum. Naam. On voit dans cette histoire l'importance de choisir une femme pieuse, qui n'est pas gourmande, qui demande toujours dunya. Et une femme qui ne se plaint pas de son mari aux étrangers. Quand elle s'est plaint à un étranger, Ibrahim alayhi salam, il a dit à son fils direct, ça c'est pas une bonne épouse pour toi, change-la. Et il a obéi à son père, il l'a changé. Il a rentré chez elle directement. Fahakada, aujourd'hui, subhanallah, tu trouves des femmes musulmanes, elles vont se plaindre à des non-musulmans, elles nous font la honte. Après, tu trouves les tribunaux remplis d'affaires entre des frères et des sœurs. Et chacun en train de détailler la vie privée, la vie intime devant tout le monde. Quand il y a un problème, d'abord ça se règle dans la maison. Ça ne sort pas de la maison. Si vraiment on n'a pas réussi à le régler dans la maison, ça sort dans la famille. Mais pas chez n'importe qui dans la famille. Les gens raisonnés, les gens sages. Pas on raconte à la belle-mère, aux belles-sœurs, après les femmes, elles se battent entre elles. Là, 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 là. Nadhabil al-Kibar, on va voir les grands. Les gens qui ont la raison. On va pas parler à sa mère, à sa sœur. Les femmes, elles vont faire quoi? Elles vont se disputer entre elles. Ça sert à rien. On parle aux grands, aux chefs de famille, aux gens qui ont le hikmah, qui ont la aql, la raison, pour essayer de régler ce problème-là. Si ça n'a pas suffi, on va régler ça avec l'imam. On va voir un talib ilm, un étudiant dans la science, quelqu'un qui connaît shara. On demande le jugement de Dine. Qu'est-ce que Dine il dit sur ça? Chacun il vient et ramène ses preuves et ses paroles. Et on accepte, on est obligé d'accepter le jugement. Le jugement qui a été donné, il faut qu'après chacun le pratique. C'est comme ça qu'on règle nos problèmes. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne sont même pas divorcées religieusement, qui ont déjà fait toutes les démarches judiciaires pour être divorcées administrativement. Celle-là, si elle sera mariée, elle est fils zina. Il faut que le divorce religieux soit fait avant même de pouvoir faire des choses administratives. Elle est encore sous la responsabilité d'un homme tant que le divorce n'a pas été prononcé religieusement, ou par le mari, ou qu'elle a demandé le khula, ou bien un qada, shara'i.
ou bien l'imam il a jugé qu'il lui donne le divorce parce qu'elle est opprimée. Une femme, elle ne peut pas divorcer d'elle-même. Beaucoup de questions me viennent comme ça. Beaucoup de femmes, depuis des années, elles n'ont même pas été divorcées religieusement et elles se sont remariées. Donc nos problèmes, barakallahu fikoum, on les règle d'abord entre nous, dans la maison. On ne peut pas, avec les sages de la famille, on ne peut pas, avec les gens de science, ahl al-ilm. Là, il y a une question. On voit ici que Ibrahim, il a dit à son fils, divorce ta fille, il l'a fait, n'est-ce pas? Si ton père ou ta mère t'ordonne de divorcer ta femme, est-ce que tu dois le faire? Si c'est une femme qui a un mauvais comportement et qui n'a pas la religion, qui est manquante dans la religion, dans ce cas-là, tu es obligé d'obéir à tes parents. S'ils te demandent de la divorcer, tu la divorces. Si par contre, c'est une femme qui a un bon comportement, qui fait ses ordres religieux, dans ce cas-là, tu ne dois pas la divorcer, même si tes parents t'ordonnent de la divorcer. Tu ne vas pas perdre une famille juste parce que tes parents ils ont fait un caprice. Non, elle ne me plaît pas. Ça ne se passe pas comme ça. Il fallait le dire avant. Aussi, barakallahu fikoum, un conseil. Que les parents ne se mêlent pas de la vie des couples, de leur fils ou de leur fille. Non, ils rentrent dans la maison. Non, tu fais le mur telle couleur. Tu fais le mur telle couleur. Tu mets tel canapé. De quoi tu te mêles? C'est toi qui vis ici ou c'est eux qui vivent ici? Mêle-toi de ta maison, barakallahu fikoum. Combien de divorces c'est à cause de ça? La belle-mère, que ce soit du côté du mari ou du côté de la femme, elle rentre dans les affaires de la maison. Tu fais pas ça, tu fais ça, t'appelles ton enfant comme ça, tu fais ci, comme ça, le canapé tu le fais comme ça. Et ça veut dire la femme, miskina, le seul endroit où elle a, c'est sa maison. Si dans sa maison aussi elle n'est pas libre de faire des choix, où elle va être libre un peu? Khalliha, elle veut faire rose ou la jaune ou la violet, wesh dakhlak. Si ça lui fait plaisir de faire violer, fais violer. Elle va se sentir bien dans sa maison, elle reste fil bait, elle s'occupe de sa famille. Alhamdulillah. Il faut qu'ils soient sages. S'ils trouvent un problème entre eux, il faut qu'ils arrangent entre eux. Barakallahu fikoum. Il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Il faut être juste. Toujours y défendre. Non, mon fils, il a toujours raison. Ma fille, elle a toujours raison. Si c'est même ton fils, si lui, il a tort, il faut que tu te mettes du côté de son épouse. Tu te mets avec son épouse et vous dites à mon fils, c'est pas bien ce que tu fais. Tu es injuste avec elle. C'est ça notre deal. De même que le mari, par contre, il ne faut pas qu'il oublie sa mère. Il ne faut pas qu'il devance sa femme sur son nez, sur sa mère. La mère, ça passe avant tout. Mais, il donne la part à chacun. Si sa femme, elle s'est fait opprimer, il est avec elle, il lui explique que c'est vrai, tu as raison. Ça c'est ma mère. Je ne peux pas lui manquer de respect, barakallahu fik. Tu as raison, mais je ne peux pas, moi, me mettre contre ma mère. Taïeb, elle a ça, elle a tel défaut, elle a... D'accord, mais c'est ma mère. Je n'ai pas choisi, c'est ma mère. Qu'est-ce que je fais? C'est très très important. Chacun garde sa place. Et la femme aussi, elle ne commence pas à vouloir monter sur les pas de tes parents au cadavre. Il faut tout de suite lui expliquer que les parents, c'est là, au-dessus de la tête. Si chacun garde sa place, tout se passe bien. S'il y en a un qui veut venir prendre la place de l'autre, c'est là que tous les problèmes y commencent. Que ce soit dans le couple ou dans la famille. Naam. On voit dans cette histoire que la personne, elle est sociable de nature. La personne qui aime rester seule, il n'est pas naturel. L'être humain, il aime se familiariser, être en société. Hajar, quand Jurhum ils sont venus, elle n'a pas refusé. Comme ça, elle vit en société, elle ne vit pas seule. Et l'isolement, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et dans l'islam, il vaut mieux vivre au milieu des gens et supporter leur mal que vivre seul. De même, on voit dans cette histoire, barakallahu fikoum, que la personne, après les bonnes actions, il faut qu'il demande à Allah l'acceptation. Certains parmi les pieux prédécesseurs disaient, si je savais que juste une prosternation a été acceptée, je me serais appuyé sur ça. Car Allah dit dans le Coran, certes Allah n'accepte que des gens pieux. Et où est sa demeure? C'est Al-Jannah, le paradis. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا جَمِيعًا مِنَ الْمُتَّقِينَ وَصَلِّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.